Ça s'améliore les musiques de BFA. Ah, c'est plus joyeux. Ah, ça devient plus en termes de musique épique, tu vois. T'as un lien? Je dis ça sur YouTube, mais c'est YouTube qui tourne, moi. Mais t'as marqué quoi? Du coup, c'est vrai que t'as un lien. Tu vas sur Beau Musique, la chaîne Beau Musique. Première fois que j'en entends. Beau Musique. Beau Musique. Porn, lol. Ça existe ça? Je vois pas. Ouais, musique. Radio, ouais. Tu tapes OST World of Warcraft, tu vas bien trouver. Hein. Ouais, mais ça, je vais directement sur YouTube, quoi. Où est l'orage? Ok, pas safe là où je suis. De quoi? Mais je t'accepterais de filer ma petite dégâts? Bien sûr. Oh là, on a une nouvelle voix féminine. Oh, ça y est, putain, il va faire son chien de la casse. Mais, et ta gueule, putain. Alors, excuse-moi, j'étais pas. Genre, je t'ai entendu tout à l'heure pendant que j'étais au boulot, bah, qu'elle était en raid et qu'il y avait des gens qui étaient à venir chez nous. Tu commences pas à me dire, je vais faire mon chien de la casse. Pas très, très valorisant pour ça. Écoute, envoie ton lien YouTube, ça sera plus simple, hein, je trouve pas de playlist. Attention, pour les vieilles playlists. Disons que je suis un peu légèrement occupé. Non mais je m'en fous, tu m'envoies et tu cherches pas chier. Attends, tu me fais patienter quoi. I want to break free. Alors, tic et tic. Et tac. On gère du risque. Tic et tac. On gère du risque. Enfin, il y a référence.
Maurice. Il est où le monsieur? À Valjara, Valjara, Valjara. Il est tout là-haut là. Allez, World Boss. Ah, ça va, lui, il a regroupé du stuff. Légendaire. Bien. Sophia se fait un stuff. Toi, tu t'es fait un stuff. J'ai eu de la merde dans mes têtes. Mais bon, ça commence à être difficile maintenant de me up. Hein. À 9 secondes, je vais faire du bien. Avec ma prêtresse. Pareil, avec ma prêtresse, j'ai un bijou. Ah mais c'est pas de folle. David. Bienvenue. Je kiffe, il est avec nous maintenant. Mais non, pas de folle, elle reste dans sa guilde. C'est un perso avec lui. Ouais. Bah non, je suis pas d'accord. Attends. Désolé, ils sont besoin de moi. Ouais. Et totalement contradictoire avec tout ce que tu disais tout à l'heure, Aura. Hein. Moi j'ai entendu hein, sur les Twitch. C'est pas pareil. T'as des gens avec lesquels on joue régulièrement. Voilà, je veux dire, c'est encore une fois, c'est une communauté. Après, que tu sois dans la même guilde ou pas, c'est pas la plus importante. Non, c'est juste que je suis pas dans des tous mes rôles, enfin. Parce qu'elle a des boobs. Non, je l'ai fait pour d'autres. Et qui en ont pas, donc qui en plus on sait même pas si elle en a vraiment ou pas. Oh. Ah, c'est bon, c'était pour la vanne. Oh, à ta place, je l'aurais défoncé. On sait qu'elle a des bouteilles d'eau et des verres de jus de fruits. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai mangé les clémentines aujourd'hui. Le mec, il voulait pas me prendre dans son Antorus là. Super, quoi. Merci la kill. Mais tu sais que mine de rien, là, le Antorus à 25, ça commence à être. Enfin, à 20, ça commence à être compliqué. Hein. Il va falloir que je fasse que je dépasse à 25 les raids. Pourquoi c'est compliqué dans cette salle, ça serait pas rare. Hein. Bah, le problème c'est qu'il y a trop de monde qui veut les faire. Ouais. Et j'aime pas refuser les gens. Quand ils sont dans ma friendly ou Ah, donc les gens tu les refuses pas, mais les mecs de ta guild, tu les refuses hein. Mais je t'aurais pris du gland. Oh quoi? Et moi je suis parti au boulot à la place. Et what? Si tu veux faire chaque place. Oh c'est bâtard. En plus je m'appelle pas du gland, c'est très bien. C'est juste qu'en fait les guildes où tu sais on fait du mythique, souvent la journée il y a pas non plus énormément de monde, enfin il y a du monde mais c'est pas... T'as raison, justifie toi. Bah c'est vrai, c'est pas le même style, c'est pas le même style d'ambiance, c'est pas le même style. Ah bah les grosses guildes, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu joues peu avec tes mates en fait. Bon, c'est ça en fait, on joue en raid et sinon c'est chacun fait son truc de son côté. Et voilà, du coup c'est... Un peu comme Andra quoi, il fait des trucs de son côté, et puis il fait genre qu'il appêche des clés, puis il entend des personnes comme ça, c'est des PL... C'est surtout que t'as par exemple des petits clans en fait. Bah, t'as des petits clans, enfin en tout cas là où je suis, c'est pas... On est pas tous super copains. J'utilisais ça pour rigoler, pas de folle hein, je sais pas si tu t'as vexé. Non mais elle a raison. C'est le gros problème de ce genre de jeu. C'est qu'au final, t'as très peu de guildes. C'est ça. Je connais. Très peu de guildes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, les gens ils cherchent à s'optimiser, ils font leurs trucs, temps en temps ils font des rôles. Après, on a certains qui se font des clés ensemble, ils se font leurs clés de la semaine sur leur perso, et puis basta, c'est fini quoi. Il n'y a pas. C'est pas la même chose. Après, moi j'aime bien le fait de pouvoir raid en HL, ça c'est cool, parce que c'est quelque chose que j'adore. J'aime le défi, j'aime voilà, me retrouver face à des boss assez costauds, tout ça, ça me plaît. Mais c'est que... Elle aime les boss costauds. Ouais, mais j'y suis clairement pas pour l'ambiance en fait. J'y suis clairement pas pour le côté humain. Même s'ils sont pas méchants, hein. Quoi en humain? Y a pas d'ambiance quoi. C'est quoi en humain? C'est ça la question. C'est pour ça que nous, notre objectif, il a été de clean le HM. Et après, le bonus pour nous, c'est uniquement... Enfin, le mythique, c'est uniquement du bonus. Comme ça, pas de soucis. Et je m'en fous d'avoir un raid au petit au quart de poil et...
Non mais vous avez raison, mais c'est pour ça que tu vois, je mets perso, je les mets dans ma guild, enfin pour le ceux qui raid en tout cas, tout ça. Mais après pour les petits rerolls, je préfère être avec des gens avec qui je m'entends bien, parce qu'au final ça change rien. Moi je vois par exemple mon pote qui lui ils ont clean le mythique depuis un moment maintenant. Et en fait le truc c'est que à part raid, ils font rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Hein. Les mecs, ils vont organiser du Mythic Plus, ils vont faire faire les Mythic Plus de tout le monde pour qu'on ait la 15. Il y a un groupe de 5 qui s'occupe de monter pour faire vraiment de la clé, et c'est tout. C'est trop bien, hein, des capes. Après, chacun organise ses raids dans son coin, en viewer et autres, parce qu'il y en a beaucoup qui stream. Et voilà, quoi. Mais d'un autre côté, comme c'est une guild où tu parles forcément anglais, quelle que soit ta nationalité, et où il y a beaucoup de nationalités, des fois c'est pas forcément simple. Ouais, mais là, en France, nous, on est tous français, et c'est juste que... je sais pas, c'est... Je sais pas comment dire ça, mais les gens, en fait, ils vont là où ils ont besoin. C'est-à-dire, par exemple, le jeudi, on avait un raid roll. Bah, la semaine dernière, on n'a pas pu le faire parce que les gens, ça y est, le normal, ils en ont plus besoin, donc du coup, ils viennent plus. Alors que c'est complètement faux de dire que t'as besoin du normal parce que aujourd'hui, en normal, tu peux proc plus qu'en mythique. Donc, Hey Andra, est-ce que je suis chanceux? De quoi? Premier world boss et je drop mon skin d'arme. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas, t'es ressenti. Quel world boss? T'es en quoi? T'es un peu chasse toi? Les chefs, mon petit Nika, je ton héros. Pourquoi j'ai pas gros? Il y a un skin. Parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais je sais pas, je suis parti tuer le truc et ça m'a donné un skin d'arme. La ruine de l'assombrissement, c'est pour le décage ivre par contre. Parce que l'âme du prince déchu, on est fou. Oui, l'âme du prince déchu au pluriel, il y a que ça. Ouais, ça. Dommage, je joue un petit peu, chier. Ouais, vraiment que j'apprends à jouer mon DK. Ouais. Moi j'ai bien aimé là, genre, du coup j'apprends depuis. C'est cool. Attends, stop maintenant. Après ça dépend comment tu joues. Tu joues gif toi, je crois, non? C'est pas ce que tu m'as dit hier. Par qui? Ah, Andra. De quoi tu parles? Bah, tu t'as dit que t'apprennes à jouer ton DK. Mon DH. Ah, DK. Bon, encore 4 prix level et je peux partir en LFR. Avec un peu de chance sur les clés qu'on va faire après, on pourra aller. Oh, elles sont jolies! J'aurais pas ce PJ, mais. Elles sont jolies quand même. Ouais! En vrai, pas mal, techniquement, oui, il y a des gens qui mettent encore du stuff avec là. Après, dans quelle proportion et des fois uniquement du proc, ça c'est encore autre chose. Même en héroïque, on a en proc. Enfin, perso. Là, GG 890 ton petit bijou Landra, j'ai vu. Moi? Bah ton bijou truc de mes couilles d'art. Je l'ai proc, je l'ai monté à 890. Ah ouais, mais pas mal, vrai. Oh, en vrai, je disais, dans mon coffre avec ma prêtresse, j'ai eu un bijou. Ouais. Sauf que je sais pas si tu te souviens les bijoux que j'ai sur ma prêtresse. J'ai le VLM. Ouais. Et j'ai le... Il s'appelle Zadu. J'ai sur Argus, c'est en mythique. Enfin, en légendaire, pas le... Ah. Aman Tool ou bien... Ah oui. Ouais, Aman Tool. J'ai Aman Tool et Vélène, en fait. Bon, donc quand j'ai du bijou dans mon coffre, je l'ai fait, bon, bah, je le laisse dans un coin. C'est pour jamais. C'est le genre de personne qui pousse un peu quand même. C'est sympa. Hein. Et je suis là avec mon druide, j'ai toujours pas de vélène, j'ai mon pauvre prix d'âme de merde. J'ai
quoi d'autre, et j'essaye d'avoir un Vélène désespérément. J'aime bien. Vélène, c'est bien pratique. Prédaz. Oui. Alors un Prédaz, c'est une tuerie, hein. Il n'y a rien qui stat et le shield. Je le mets souvent, hein, quand je suis en donjon. Dès que je fais du donjon mythique, je mets Prédaz et plus la cape, plus du coup la main tool. Et au moins... Est-ce que tu prends aussi... C'est fou. C'est fou. Non. Non, celui-là, non. Je l'ai dans ma banque depuis 10 mois. Parce que moi, il me sert beaucoup pour les trash, je trouve. C'est quoi comme classe? Pareil, prêtre. C'est... Oui, tu m'avais demandé les stats d'ailleurs. Ouais. Du coup, en stats, je me maintiens au-dessus de 45% de maîtrise. Donc là, j'en ai quasi 46. En raid ou mythique? Les deux. Les deux? Enfin, dès que je suis en raid, en fait. Mythique, quoi. Enfin, mythique, héroïque. Enfin, dès que je suis en raid, en fait. 45% de maîtrise. Là, je suis à 28% de hâte. J'essaye d'atteindre environ 30% de hâte. Là, j'y arrive pas toujours avec les pièces de stuff. Je jongle avec les bagues et tout. Pour, okay. Voilà. Et il me faudrait dans les 23% de critique. Je suis à 22. Je suis pas très loin. Tu vois, d'accord. J'ai un tout petit peu trop de maîtrise. Mais c'est parce que j'ai des brassards et de la maîtrise que j'ai pas pu changer encore. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça. Mais quand je les aurai éliminés, c'est vraiment. Et j'ai 15% poly en dessous. Oh. Ok, 15% de poly, ah ouais, ça fait quand même. Normalement, il en faut environ 10. Ah ouais? Ouais. D'accord. Alors lui, il est mort. 9-10. Et... voilà, parce qu'il s'est foutu devant cet abruti. Mais après, moi, je suis pas vraiment une pro de tout ce qui est optimisation. Je te dis, c'est pas trop. Bah, je te dirai après ce que j'ai en. En raid, mais en fait j'ai peu de. Peu de hâte. J'ai privilégié les CC et puis. Moi avant j'avais beaucoup de critiques, pas beaucoup de hâte. Et je me suis aperçu qu'en fait mes sorts étaient extrêmement longs. Mais je trouve en raid c'est pas si important que ça d'avoir de la hâte. Plus de critiques. Vu que t'es pas la seule île, tu vois. Du coup que tu mets un. Que tu mettes un peu plus de temps, sinon ça ne me dérange pas. Et par exemple, en mythique, je suis à là 38, 34, 41, 5. Donc tu vois, je privilégie beaucoup la hâte, parce que sans hâte en mythique, tu vois. Est-ce qu'on dit ? Moi j'ai la même optique pour les deux, je change juste mes talents en fait. Ok. Et juste comme je dis, je change juste mes légendaires pour ajouter Prédaz, pour avoir un petit peu d'absorbe sur moi. Parce que quand je suis en plus 20 ou plus 21... Oh, le beau CC à 7 minutes. Ok. Je préfère. Et après, c'est vrai que je suis pas la meilleure pour parler d'opti, parce que c'est quelque chose dont limite je me contrefous. Tant que je suis à l'aise sur mon perso, que j'ai à peu près les bonnes stats, enfin, en tout cas ça se passe bien, je m'en sors très bien au heal dans mon roster. J'ai jamais de soucis de heal. Ma mana, je la gère plutôt bien aussi. Maintenant en mythique. Ouais. Mais après en mythique, c'est vrai que je suis une des rares îles à claquer une potion de régène de mana, tu sais, où tu bouges pas. Oh, ah oui. Mais putain. C'est vrai que, par exemple, sur Kingaroth, j'étais l'une des seules à mettre cette potion là. Parce que j'en ai parlé avec mes autres collègues îles, ils étaient morts de trouille. Ils ont dit mais non, mais jamais sur ce boss là avec les boules qui tournent, le rayon, etc. Ouais. De quoi? Non, juste un drop FS qui est immense. Ouais, mes collègues me disaient si jamais sur ce boss là avec les boules, je sais pas, qui tournent à pleine vitesse, les rayons et tout qui te poursuivent. Mais non, je mets pas la pote quoi, enfin tu vois, ils disaient c'est pas gérable. Et en fait, moi j'ai réussi à la caler. Quand je jouais avec le rayon, il partait dans le sens opposé à là où j'étais. Mm-hmm. Je savais que j'avais une dizaine de secondes, je me posais, je faisais confiance à mes mates et puis je faisais de la régène. Oh ouais, bah, c'est ce que je fais aussi. Après, faut bien connaître les combats, mais du coup, même si c'est vrai attends, que. Attends, je régène un chouïa. Ça oh, mange pas bon, mal de mana. Il y en a qu'un seul à prendre. Oh, bah, j'ai eu l'apparence au cachet aussi. C'est quoi le boss ma... Au HPS? Ouais. Ouais. Oh, tu fais peut-être pas attention. Tu
Oh, je fais tellement pas attention. Moi je regarde pas en fait. Mais bon. Non, mais en fait c'est juste que c'est variable le HPS. Le HPS ça va dépendre des faits ou des gens, ça va dépendre s'il y a des dégâts anormaux sur le raid ou pas, ça va dépendre de la rotation de CD, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ouais. Parce que enfin, quand on te demande de claquer ton CD sur un moment un peu creux, juste pour que tu puisses l'avoir up plus tard par exemple, ce qu'on fait souvent, on établit une rota, donc le ça va pas forcément énormément, sans plus. Et il y a d'autres moments où c'est tellement le bordel que tu claques le CD dans l'urgence parce que t'as pas le choix. Ouais, et là par contre tu t'emballes quoi. Je suis toujours au-dessus d'un million, ça c'est clair, toujours. Après, ça peut aller jusqu'à 1,7 million, 1,6 million, ça dépend. Ça dépend de la longueur du fight et tout aussi. Et, puis de la compo, parce qu'on change de compo quasiment toutes les semaines. Au niveau heal. Non, c'est pas mal, 1,7 million. C'est même et après, très bien. Carrément... Ouais, carrément. Après, t'es carrément en... 1,6 million, 1,7 million, c'est quand vraiment il y a beaucoup de dégâts sur le raid. Enfin, tu vois que ça... Bah, c'est pas censé être aussi haut en fait. Si ça se passe bien, normalement t'es pas censé plafonner autant. C'est comme par exemple quand on fait le HM, il y a des moments on s'amuse à se rank. C'est-à-dire qu'on dit bah ok, personne heal à part toi. Hop, et c'est parti. Sérieux? Là, bah, oui. Ouais, par exemple sur Barry Matras, la dernière fois on a laissé rank notre chaman. Mm-hmm. Et on a dit ok, personne heal à part toi. Le gars il est monté à 2005, je crois. Il a fini à 2004 ou 2005. Oh, et juste à la fin, il nous a dit un petit peu, il nous a demandé un petit peu d'assist parce qu'il est plus malin. Donc il nous a demandé un petit peu. Bah ouais, j'aime un chaman sans mana, c'est ça. Ouais, mais attends, même à trace la chaîne tout seul, oui, il y a un moment. Enfin, à la toute fin quoi. Attends, c'est juste pour taquiner parce qu'ils font putain, ils ont quand même la gêne du critique. Moi quand je prends un chaman et que je le passe, c'est rarement oui, mais je kiffe. Mais ouais, mais quand tu es seul, forcément tu peux beaucoup plus, surtout sur Vary, où tu dois remonter les gens instant après les sorts et tout. Voilà quoi. Et toi du coup en rank? Je l'ai pas encore fait, moi, j'ai pas encore... Non, je suis gentil, moi je m'en fous un peu des ranks. Donc en fait je laisse les gens, je laisse éclater, puis... On va dire en moyenne c'est du 1,3 million en moyenne, 1,3 million, 1,4 million. Ça c'est un heal entre 1,2 million et 1,4 million, c'est un heal normal, enfin c'est un heal Du mythique. Pour du mythique quoi, ouais. Pour les, par rapport aux dégâts du mythique, tout ça, si ça se demande qu'il n'y a pas de fail, c'est normal. Après ça dépend des fights, il y a des fights par exemple sur comment il s'appelle déjà, Imonar. Je suis en PLS. En prêtre sacré, le pont. Je peux pas, enfin, je dois m'arrêter pour cast. Moi, j'ai à part ma santé, enfin, ma sérénité. Je cours, je mets la tranquille. Salut. C'est ça, mais à part la sérénité, moi, j'ai que dalle. Et en plus, comme on a un moine heal les trois quarts du temps, lui, il est jamais ciblé en fait par les bombes qui bump. Jamais. Ah ouais. Il est considéré comme un cap en fait. Ah ben. Et donc c'est du coup, moi, tous les ponts quasiment, j'ai de la grenade. Donc je pars derrière, et là, avec les bumps, les machins, je dois m'arrêter pour une levée ou tout. Trois quarts du temps, mes ailes passent, ou je finis en ange, je sauve tout le monde, et je finis ma petite traversée en retardataire derrière, quoi, tu vois. C'est franchement, en mythique, c'est horrible, ça crée le pont. Derrière, je vois le moine, les groupes qui passent en mode tranquille et tout, pépère. C'est pas mal. On dirait que paf, attends, j'ai mon écorce, je mets pas son nom, c'est un frénétique et on repart de l'autre côté. C'est ça, non mais c'est un truc dingue. Moi en fait, en plus, en mythique, il y a du vent. Ton chaman, t'as quoi? Bah t'as la marche de l'esprit qui permet de casser le Ouais, c'est ça, pareil, il y a la marche de l'esprit. Donc lui, tous les ponts, quasiment, il a sa marche de l'esprit. Donc, allez, le CD fait, est pas très long, en plus. C'est ça, donc ils sont tous à peu près, ils ont de quoi se démerder. Et moi, en fait, on me demande de mettre l'île juste avant la traversée. C'est-à-dire que le pont commence. Pardon, c'est moi, je fermais mon volet. Le pont commence, et en fait, on se met tous, et là, on met donc des CD. Genre le SLT et tout ça, et pendant ce temps, les gens avec la bulle ou quoi foncent dans les rayons et on pète un maximum pendant qu'on a les CD. Comment j'ai appris ça? Bah, c'est le week-end dernier, c'est avec Gorok, les mecs, bah, en héroïque, enfin, c'est pas du mythique, mais en héroïque,
Ouais, il a dit ouais, bah vous mettez la bulle, vous courez, les DK, vous claquez vos les DH, vous claquez vos darkness, vous mettez les AOE de heal en dessous et paf paf paf, je passe tout quoi. C'est ça. Il est passé, il a tout explosé. En fait, là tu fais, là je prends 0 dégâts. Voilà, on avait 3 DH. Tu prends pas 0 dégâts, tu te fais défoncer la gueule. Nous on a le SLT, tout ça derrière. Et en fait, au même moment, t'as le vent. T'as du vent qui te pousse. Ah, ça j'avais pas, par contre, en mythique. Voilà. Donc imagine un peu la galère en sacré, hein. Salut, ouais, comme toi avec des chars. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est le moment, en fait, en général, on me demande de claquer l'hymne en même temps que le SLT. Et en fait, le seul moyen pour moi de caler l'hymne sans me faire éjecter du pont, c'est de me caler dans un coin, je pense qu'il fait dans un petit coin, contre un mur, et là, je balance l'hymne, tu vois, en essayant de rester dans le SLT quand même. Et là, enfin, franchement, il y a toute une technique pour faire claquer mon CD, et je peux, enfin... Le pont, franchement, c'est mon angoisse. À chaque fois que j'arrive sur ce boss, je me dis, monsieur, est-ce que je vais survivre? Moi, c'est Barry, c'est mon copain, Druida. Après, voilà, chacun a ses avantages. Hein. Ah, par rapport au boss, oui, clairement. Par exemple, sur Barry, l'avantage, c'est que ma sérénité, le gars, dès qu'il a plus, on absorbe, je le remonte instant. C'est un peu comme un pala, quoi. Je le remonte en une seconde. Faut juste que je cale bien mes sérénités, que j'essaye qu'elles soient up dès que le prochain tank aura l'absorbe. Pour être sûr de pouvoir le remonter, c'est du timing. Mais Pas de mentir. Comment tu level avec ton DK là? Mon DK là? Ouais. Pouf, là je suis 884. Putain, tu l'as sésame? Ouais. Comment? Tu vois, André, y'a pas que moi qui sésame des DK. Ouais, je suis pas tout seul à ta frère. Bah, l'avantage du DK, c'est que si tu choisis des pieds avant de. C'est ce que j'ai fait, du coup, je suis tranquille. Voilà, après, ça c'est tu l'avantage. Avec les gens, les métiers, c'est pas vraiment ce qu'il y a de difficile à monter. Bon, ouais, mais enfin, je me suis dit, j'ai quand même déjà, tu vois, Alpha du Vide, voilà, Drain Eye Sacré Forge, Torrent de Rock et Sacré Nuit à monter 20 à 110 pour avoir les apparences. J'ai pas tout faire en même temps, je fais petit à petit, tu vois, un level par-ci par-là. Du coup, je me suis dit, mais la DK, mais elle va prendre la poussière. Oui, mais à côté de mes rerolls, elle va prendre. Mon DK, putain, il existe depuis Burning Crusade. Non, pardon, pas depuis Burning Crusade, depuis World TLK. Depuis ce temps-là, j'ai joué un mois, arrêté de jouer, et puis donc, là, dans ma coin. Et depuis, là, je l'avais jamais ressorti. Moi, Drou de Shambhala et Prêtre, elle date toutes les 4 de Cataclysme. Moi j'adore le voleur qui a voulu m'apprendre quel pack qu'il fallait faire à la salle des valeureux. Au final, on va finir plus poil à zéro. Non, moi le druide il a 12 ans, enfin 12-13 ans de vie. Le chasseur il est arrivé au tout début de Burning Crusade. Le chaman il est arrivé à Mop. Et quoi d'autre? J'ai un Wargame voleur, mais il est arrivé. Les Wargames c'est la cataclysme. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, mon rock il arrive à Cataclysme, il est pas encore 110, le vert. Ma magette, elle arrive en mob, pareil. Et ouais, les persos que je joue vraiment en main, c'est particulièrement mon bruit, mon chasseur de temps en temps, mais comme j'ai pas légendaire, bah je le joue pas, c'est tout. Et mon chaman. Pareil, les DPS, le truc. Et même mon paladin, Volt LK, pareil. Moi en fait le truc c'est qu'au tout début de Légion, t'avais ma Cham qui était ma main. Sauf qu'après en fait parce qu'on m'avait demandé de passer Cham parce qu'il avait déjà un heal. Du coup je l'ai passé Shaman. Quand le palais il s'est barré, j'ai passé Paladin et j'ai laissé la Cham de côté. Et après en fait j'ai commencé à me prendre en main ma... Toujours. Tu heal? Quasiment, ouais. Et c'est très rare les persos où je suis pas heal. Et en fait, le truc, c'est que après, j'ai commencé à remettre à jour ma prêtresse, que j'avais plus Cataclysme, elle me manquait un petit peu, et je me suis aperçu que j'adorais jouer Sacré à cette extension. Et je l'ai pas lâché. Mais du coup, en ce moment, c'est plutôt prêtresse, Chan. J'ai la mage, mais je suis nulle dessus. Et la DK, qui est à poil. Pareil. Et le truc, c'est que les heals, pour moi, c'est la sécurité. Je joue heal depuis 10 ans. Donc je sais ce que je fais quoi, je connais par cœur mes CD, je sais me placer, etc. Donc c'est easy en fait pour moi, c'est naturel, c'est des réflexes, j'ai même plus à réfléchir ouais, à ce que je fais. J'ai encore une transition, moi le druide je l'ai joué au tout début de l'extension jusqu'à fin cauchemar. Mm-hmm. Après je suis passé sur mon chaman entre fin cauchemar et le début de la... De merde, tous les valeurs de mes couilles là.
Et j'entends, voilà, je suis passé sur chaman, et à la base, mon chaman est DPS. Et là, je sais que même moi, je fais des erreurs de ouf, c'est que des fois, j'ai encore l'impression d'être un cac et je fais de la merde en fait. Je vais stacker comme un con, je vais me déplacer mal. Alors pourtant, je suis un druide et je suis à distance. Mais j'ai du mal à reprendre parce que pendant plus d'un an, j'ai joué mon chaman, mon amélio, et là, de repasser en heal, ça me fait chelou. Bah, l'avantage, c'est qu'en heal, l'air de rien, tu chopes des bons réflexes. Parce que tu sais quand il y a les phases de dégâts, parce que tu sais quand les temps prennent cher. En plus, tu sais quand les gens payent, parce que c'est toi qui la montes. Donc autant dire que du coup, quand t'es en DPS, tu sais les erreurs à pas faire. Parce que du coup, t'es tellement habitué à voir les autres faire des conneries que tu te dis, j'ai pas envie de faire les mêmes. En tant que, bah là, c'est, je sais par exemple, à tel pack, je sais que je prends cher, donc je vais anticiper, je vais me dire, tiens, pour ce pack-là, il faut un CD, parce que je sais qu'en OI, ça pique. Donc c'est vrai que t'as quand même, en jouant heal là, hein, c'est pas la classe, enfin c'est pas le rôle le plus simple à un heal. Donc là. Il y a d'anticipation à avoir quand même. Ouais. Après, et puis il faut du sang-froid. En fait, il faut du sang-froid, parce que encore que t'es en LFR, en normal ou en HM, ça pique pas, on s'en fout, franchement, il n'y a pas de dégâts. En LFR, je t'en fous, un solide, ça suffit. C'est ça, c'est en mode kick you learn, on s'en fout, à l'arrache, limite slacker, ça me fait du taf. Oui, ta mana descend pas réellement, t'as même le temps de DPS. Comme voilà, donc après, les gens qui heal dans ces conditions-là, et qui après disent heal, c'est facile, je peux comprendre dans le sens où ils savent pas vraiment ce que c'est que heal. Mais quand tu es en mythique et que tu te retrouves avec les gars qui sont à 10% PV, tu vois que ton CD est pas up. Et là, tu dois essayer. Enfin, il y a toute la priorité. Bah là, ton clavier, généralement, il prend des coups de tatane avec les doigts. Même pas, en fait. Faut vraiment rester calme. Faut rester calme. En fait, faut analyser la situation. C'est-à-dire que tu analyses, tu dis, ok, lui, il est à 10... si je joue un démo à 10%, par exemple, je vais pas paniquer. Je vais pas paniquer parce que je sais que le démo, théoriquement, quoi soit remonté. Enfin, pareil pour le DK, etc. Et il faut. En fait, tu finis par tellement bien connaître les autres classes sur certains points que tu sais qui prioriser. Mais faut... Enfin, parce que vraiment, les deux sont... T'en as un qui a 20% PV, par exemple. T'en as un autre qui a 10%. Mais celui qui a 20% PV, il risque de se faire OS. Alors que celui à 10% PV, il risque rien. Et ça, c'est que de l'analyse, en fait. Et en fait, le heal, c'est le seul, quand ça part en cacahuète, que t'as tout le monde qui est en train de stresser en voyant son écran qui clignote en rouge, c'est le seul qui doit rester le plus calme possible, le plus logique possible, et essayer de tout faire correctement. En plus, en heal, t'as pas le droit de mourir, parce que si tu meurs, souvent, bah t'entraînes les autres dans ta chute, quoi. Et quand c'est des gens qui font des OS de la guilde, on fait comment? Voilà, c'est pas de la faute du heal, hein. On fait pas crédit sur les PV. Moi, je suis désolé, hein, sur Agrammar. Quand je le retourne face au boss et que je suis censé le prendre tout seul, c'est juste les îles qui merdent. Vous pouvez pas heal le one shot, moi je suis pour rien, vous êtes pas doué, c'est pas de ma faute. Voilà, bah, tu vois le truc, le mec il va arriver, hein, il va prendre 60 milliards de stock et il va me dire les gars, j'ai 40 000 stocks, tu vois, c'est pas normal que je suis mort quoi. Mais là, bah, il a une maladie, il aime bien tuer les gens tout seul. C'est tout le monde hein. Tandis que les pions aussi en a qui survivent, c'est pas bon. Ça fait longtemps que t'as pas fait un strike. Bon. On arrête ce soir, hein, c'est pas ça. Putain, mais. Franchement, les mecs, ils savent pas cut, hein, sérieux. Et tu joues, du coup, pour revenir sur ton DK là, parce que c'est la question que je vais poser, mais j'ai zappé. Tu joues quel spé? Ah, je suis tank. D'accord. Du coup, c'est une grande première pour ma fin, dans le sens où je. Jamais, normalement. Puis j'en ai. Enfin, disons que le heal c'est la sécurité, c'est pour ça que j'essaye sur ma mage, bah du coup je fais un peu de DPS, tout ça, je sors de ma zone de confort. Ah, c'est vrai, pareil, qu'en mage c'est compliqué de faire autre chose. Hein. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, je tente une classe où je sors de ma zone de confort, grave, parce que tu me fous sur un chaman, je vais commencer à le faire en LM, je vais basculer en heal quoi. C'est sûr. Ah non, Amélio, un chaman. Alors que mage, au moins j'ai pas le choix, je suis DPS. Et pareil, là c'est la première fois que je commence à tanker, donc. Là, c'est cool, ça me change un petit peu. Mais c'est quand même beaucoup plus dynamique. Enfin, le gameplay est dynamique dans un sens propre à lui, dans le tank. Ouais, ça va être dynamique, ça peut être que bon. C'est ça. Bah, le seul truc qui m'a un peu choqué, c'est que par exemple, quand j'ai fait le LFR de la tombe là, avec ma tank. Oh, tu peux le faire tout seul. Hein. J'ai halluciné dans le sens où, en fait,
On te dit, enfin DBM te dit quand on te... Ah oui, quand oui, la oui. tient un CD. Non, moi il me dit pas ça. Si, si, si tu l'écoutes bien, il te dit. Ah si, il te dit défensive. Il dit défensive, non. Mais moi j'ai pas ça, m'a apprécié. Je préfère ne pas l'avoir parce que du coup, moi-même ça m'apprend à claquer mes CD tout seul et pas à me dire bah crame ça ou. Ouais, mais moi comme j'apprends, je trouve ça cool parce que du coup ça me permet d'en faire perte. Mais si tu suis le DBM, d'une simplicité. Ah bah il te mâche tout le taf. Alors que en heal, ta personne va dire ouais, voilà, c'est là, maintenant oui, c'est quand tu dis attention, hein, quand il dit attention, ça veut dire claque un CD. Non, nous en heal, on a le droit de se faire des bons wikora pour les paramétrer, pour te faire chier, de dire ah tiens, faut que tu claques ça maintenant, parce que c'est de la merde, ou quoi que ce soit. T'as pas de wikora. Ah, j'ai pas été encore. J'ai 2-3 wikora juste pour décider de survie au cas où, tu sais, parce que des fois t'es concentré dans un truc, t'es pas l'œil, ta propre vie, hein. Et plus axé sur la vie des autres. Ah non, non, eh moi ben, ça fait tout par contre. Ouais, on aurait pu l'up en plus deux là. Hein. Andra, rends-moi ton lien de la maison.